et je me prépare à aller rencontrer un référent RSA que je vais interroger dans le cadre de mon Master 2. Alors, je travaille sur la relation d'aide dans le champ de l'insertion socio-professionnelle. Mon questionnement, c'est est-ce qu'il y a encore une place pour le social dans le dispositif RSA? Et comment les référents arrivent à établir une relation avec des personnes qui sont contraintes d'être accompagnées? Donc j'arrive à mon rendez-vous, on commence l'entretien, on parle de la contrainte, et il me dit que oui, effectivement, les personnes, la première fois qu'elles arrivent, elles sont obligées d'être là, mais que rapidement, finalement, elles trouvent un intérêt à rencontrer un référent, et que du coup, ça se passe plutôt bien. Mais bon, il y a toujours des réfractaires, ceux qui ont des problèmes un peu psy. Je vois ce qu'il veut dire, de quoi il veut parler. Pas vraiment. Ceux qui politisent un peu tout. Alors là, ma petite chanson me revient dans la tête. Macron fait la guerre et sa police aussi. Et nous, on est des terres à bloquer le pays.